Et yo tout le monde, c'est Chai, j'espère que tout le monde va bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, la vérité sur Ebola. J'ai pris un petit temps de pause, 3-4 jours, pour refaire une vidéo parce que le dernier défi like bon, a été atteint, mais pas dès le premier jour. Donc j'ai pris un petit peu de temps, c'était 2400. Donc pour cette vidéo, on va tenter 2400 aussi. Je pense refaire une vidéo si on allait 2400, pas demain, mais après-demain. On se laisse 2 jours parce que sinon ça me donnait vraiment, vraiment beaucoup trop de travail. Donc voilà, s'il y a les 2400 likes en 2 jours, je vous referai la vidéo donc 2 jours après, donc 48 heures après. Voilà pour ce qui est des petites informations. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, vous avez pu voir qu'en ce moment, c'était pas non plus la forme, puisque bon, j'ai quelques petites choses qui ne vont pas dans ma vie. Hein. Pour ceux qui veulent savoir, Twitter, Facebook, n'hésitez pas à y aller pour comprendre, je n'en parlerai pas en vidéo. Donc voilà, j'ai eu un petit moment de déprime à cause de plein de petites choses qui se passent en ce moment dans ma vie. Mais ça n'empêche pas que je continue les vidéos. J'espère que celle-ci vous plaise toujours autant. Cette vidéo m'a été beaucoup demandée. C'est un sujet qui est très compliqué. J'ai essayé de récapituler un petit peu les points bizarres, de trouver des articles qui me parlaient de tout ça, qui expliquaient un petit peu pourquoi Ebola, pourquoi on en a tant parlé alors que finalement ce virus n'est pas si dangereux que ça, voire moins dangereux qu'une simple grippe, puisque, bon, déjà pour commencer, il y a un vaccin qui a été fait très très tôt, soi-disant qu'il guérissait Ebola, enfin bref. Je vais commencer tout de suite par quelque chose qui déjà de base est bizarre. Déjà, quand on commençait de parler d'Ebola, on parlait directement de milliers de morts, d'une maladie qui tue 9 fois sur 10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur 100 malades, il y a 90 personnes qui meurent. C'est un truc énorme. C'est pour ça qu'on en a entendu parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par la télé, la radio, tout ce qui était moyen de communication, on en entendait parler, même si c'était un virus qui était quand même destiné à l'Afrique, on va dire. Et d'ailleurs, à cause de ça, beaucoup de pays ont fermé leurs frontières tout ce qui était échange ou même déconseillé ou interdisait les voyages dans certaines zones d'Afrique puisque vous risquiez de choper le virus Ebola, etc. Donc du pire virus qui ait jamais existé, c'est celui-ci, hein, c'est Ebola d'après les journaux, mais les chiffres en fait ils ne collent pas. Ils ne collent pas pourquoi? Puisque en fait il y a 8,7 millions d'Africains qui meurent chaque année de maladies quelconques. Hein. La seule diarrhée, en fait, une diarrhée lambda, tue tous les jours 2195 enfants. Le paludisme, lui, tue chaque année 1,1 à 3 millions de personnes, ce qui est quand même énorme. Mais concernant Ebola, contrairement à ce que je viens de vous dire, l'échelle n'était tout simplement pas la même pour une maladie qui était extraordinaire, qui devait tuer tellement de monde que voilà, on en a entendu parler justement dans tout le monde entier. Les chiffres ne collaient pas. On ne parlait pas de plusieurs milliers de morts par jour, comme les autres maladies que je viens de vous citer, mais de plusieurs milliers de morts en tout sur 6 mois. Sur 6 mois d'épidémie, exactement 3338 morts du début de l'épidémie en avril 2014 jusqu'au 28 septembre 2014. Pour vous dire, hein, alors que chaque jour, comme je vous l'ai dit, il y a 2195 enfants, si vous comptez 2195 fois 6 mois du coup avec 30 jours hein, si on prend une moyenne de 30 jours par mois, ça rend beaucoup beaucoup plus qu'Ebola. Alors pourquoi on nous en a fait toute une soupe, on va dire, de ce virus qui n'était pas si virulent? Eh bien je pense que la raison principale c'est l'argent. On va y venir un petit peu après. Aussi tragique et consternant que soient ces décès, donc toutes ces morts qui sont faites de, non pas d'Ebola, mais de toutes les morts qui peuvent subvenir, même liées à la faim en Afrique, ils ne représentaient, écoutez-moi bien, que 0,035% du total de morts en Afrique. Soit à peine 2 fois plus le nombre de tués sur les routes en France durant la même période. C'est-à-dire que sur 6 mois... il y a eu, si on dit qu'il y a eu, je sais pas, 1000 morts sur les routes en France, et bah Ebola en a fait en Afrique 2000. Voilà, ce qui est complètement dérisoire, même si ça reste des vies humaines. À savoir que les vies humaines qui ont été happées par la mort, si je puis dire, ça reste quand même des enfants,
des personnes âgées, des personnes avec un organisme fragile qui était déjà malade ou alors souffrant, ce qui aurait pu arriver avec une simple grippe ou quoi que ce soit. Alors, le syndrome d'Ebola était, paraît-il, exceptionnellement dangereux, comme on en a entendu parler partout, car très contagieux. Il était très déconseillé, comme je vous l'ai dit, d'aller dans des pays africains, etc. Certains pays fermaient leurs frontières, etc. On n'avait pas le droit d'y aller puisque c'était super dangereux, on pouvait mourir juste d'aller là-bas. Sauf que ça, c'était faux. Ebola n'est pas une maladie très contagieuse. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous lire un petit extrait, c'est des spécialistes qui le savaient dès le départ, en fait. La maladie, elle ne se transmet que par contact direct avec les fluides corporels. Alors, fluides corporels, j'entends le vomi, le sang, excréments, pardon, sur une plaie ou une muqueuse, par exemple l'œil, la bouche, le nez. C'est-à-dire que vous pouviez l'attraper, comment dire? Si quelqu'un vous vomissait dans l'œil, dans la bouche ou dans le nez, si vous receviez une goutte de sang contaminée, évidemment, dans l'œil, dans la bouche, le nez, etc., etc., ou si vous receviez des excréments dans l'œil, la bouche, le nez, et puis évidemment par voie sexuelle aussi, ça pouvait se transmettre par des plaies, des ceci, cela. Mais en aucun cas, on ne pouvait l'attraper par simple contact, comme par exemple une poignée de main. La bise ou quoi que ce soit, encore moins par l'air, comme on nous a dit, juste y aller là-bas, c'est super dangereux. C'est pas comme la grippe, c'est un virus qui est complètement différent. La grippe, ça tue des milliers de personnes chaque année, c'est comme ça. C'est un virus qui mute, qui dit mutant, entre guillemets, puisque tous les ans, la grippe change de code génétique, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire des vaccins qui durent toute la vie. Chaque année, on doit se revacciner pour la grippe, puisque le virus a changé, et donc le vaccin a changé. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour ceux qui connaissent, expliquait d'ailleurs elle-même sur son site. Alors là, je cite, au mois de septembre 2014, les experts du Centre de contrôle des maladies des États-Unis avaient prévu que, au 20 janvier 2015, l'épidémie aurait touché 1,4 million de personnes au Liberia et au Sierra Leone, seulement là-bas, hein. En réalité, le nombre total de cas d'Ebola sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, même pas toute l'Afrique, juste de l'Ouest, n'a été jusqu'à présent que de 22 894 cas. Et quand on parle de cas, on ne parle pas de morts, on parle juste de personnes contaminées. Il ne s'agit pas du nombre de décès, je tiens à le préciser, mais du nombre de personnes touchées. Depuis quasiment un an que sévit justement ce virus Ebola dans la zone qui compte environ 21 millions de personnes. Ce qui représente une personne sur 10 000 a le virus Ebola dans ces régions. C'est un nombre qui est complètement dérisoire, un nombre, si je le compare avec celui des maladies du choléra en Haïti en 2010, il y a une énorme pandémie de choléra en Haïti, je ne sais pas si vous l'aviez entendu, qui a touché, elle, 700 000 personnes. Ce qui est énorme, hein, comparé à 22 000. Sauf que la population en Haïti, elle est deux fois moins nombreuse. Donc, au lieu d'être une personne sur 10 000 touchée par Ebola, en Haïti, il y avait une personne sur 15 qui était touchée par justement le choléra. Je ne sais pas si vous faites le rapprochement. Haïti, on en a entendu parler, mais pas énormément. Contrairement à Ebola, où il y a eu des préventions, des soucis, attention, on va tous mourir. Vraiment un virus de ouf, hein. Et pour Ebola, en fait, il y a eu des études, comme tout, partout, il y a des études sur n'importe quoi, sur le calibre de la banane, sur n'importe quoi, il y a des études. Évidemment, il y a eu des experts qui se sont penchés sur ces chiffres, qui se demandaient combien il y aurait de morts ou alors de cas. Ils avaient prévu un certain nombre de cas d'épidémie d'Ebola sur certaines personnes en Afrique de l'Ouest. Et les experts, en fait, sur ce cas-là, se sont trompés de 70 000% dans leurs prévisions sur 4 mois. À 70 000%, ils étaient complètement à côté de la plaque. Je ne sais pas si c'était volontaire pour faire instaurer un climat de peur, puisque, comme vous le savez, dans les médias, lorsque l'on vous fait peur, on vous parle, ouais, il y a ceci, il y a cela, bon, ok, vous êtes vachement absorbés, on peut tous mourir, etc. Et à côté, on vous augmente les impôts. Mais attention, il y a Ebola. Il y a Ebola. Ah oui, il y a Ebola. Donc on oublie les impôts, ou on oublie les trucs importants, qu'on peut nous taxer, qu'on peut ceci, qu'on peut cela. Tout ce qui est important passe au second plan, puisqu'on met une chose qui nous concerne directement, puisqu'on parle de nos vies,
Hein. Comme on est concerné, on pense à nous. L'humain est égoïste, ça c'est de nature, c'est normal. Donc on pense à nous, on a peur, on pense à ça et on oublie tout ce qui est secondaire, on va dire. Bon bah ok, on va nous augmenter les impôts, ça va me coûter de l'argent, mais si je suis mort, j'aurai plus d'argent. Donc je préfère penser à Ebola. Voilà un petit peu pour venir un petit peu à ce sujet-là. On passe à la dernière partie. On a assez entendu parler d'Ebola pour que chaque personne soit au courant de cette vidéo, que tout le monde puisse comprendre ce que c'est ce virus. Et les seuls gagnants là-dedans, c'est l'industrie pharmaceutique qui engage maintenant des campagnes qui sont extraordinairement grandes et massives. Ils engagent des campagnes de vaccination en Afrique. Hein. Il y a des diffusions de nouveaux médicaments qui sont dits miracles, hein, comme tout médicament, vous êtes soigné, c'est le médicament miracle, vous le prenez, vous avez plus de problèmes, pas de cancer, pas de sida, rien, c'est l'industrie pharmaceutique. Grâce à toutes ces campagnes, en fait, ils ont récolté beaucoup, beaucoup d'argent du monde entier. Ce qui est drôle, c'est que cet argent, c'est nous qui l'avons donné indirectement. Le fait que l'épidémie, en fait, ne touche plus que quelques personnes, quelques centaines de personnes même, n'empêche pas certains de miser sur la vente de millions de médicaments. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui financent ces industries pharmaceutiques. En contrepartie, ils retirent des bénéfices. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que ces médicaments vont être vendus. Ce sont des gros cachetons, des gros billets derrière. Et en fait, tout ça aussi, c'est financé par la généreuse communauté internationale qui... Donc, quand on parle international, on parle forcément des Français et de tout le monde entier. Mais nous, les Français, en fait, on a contribué ça indirectement avec nos impôts. Donc, l'argent des impôts, etc., ou que vos parents ont mis dans les impôts, a été en partie... Il y a eu de l'argent qui a été envoyé pour ça, avec l'argent des impôts, dont les fonds qui, justement, ceux-là, ont atterri directement sur les comptes, et non pas pour les pauvres petits Africains qui meurent, hein, ça a atterri directement sur les comptes des compagnies pharmaceutiques. C'est pour ça que je vous parlais que la seule vraie histoire et la seule vraie raison, je pense, pour laquelle nous en sommes à parler de Ebola et pourquoi tout le monde avait peur de tout ça, c'est l'argent. C'est juste, il y a une question d'argent derrière, il y a une question de faire peur, il y a une question de vouloir parler de ça, comme ça on oublie tous les autres problèmes. Enfin bref, pour moi c'est de la grosse merde, c'est vraiment... c'est de la manipulation, tout simplement, comme beaucoup de choses. Voilà pour ce qui est de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. On se retrouve très bientôt, j'espère, avec ce défi de 2400 likes. N'hésitez pas à me proposer, n'hésitez surtout pas à me proposer des vidéos à faire, puisque bon, bah, au fur et à mesure, moi j'en ai plein, mais il y en a qui m'intéressent moins. Si vous pouviez m'en donner qui m'intéressent plus, bah, je serais d'autant plus heureux de vous les faire. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.